là. Ça qu'on fait là. Et mon cher papi, nous en forme, et c'est tout ton plaisir à chaque fois que nous avons possibilité pour nous parler rap, pour nous parler hip-hop, et spécialement avec deux mondes tant coup, parce que ou même, et ou son gros garçon, ou son nègre, non seulement qui marquait le rap haïtien, mais tout ou qui était imprégné tout là-dedans. Donc c'est toujours pas quel plaisir de nous connecter avec deux mondes tant coup. Pour nous capables de venir parler hip-hop, pour nous capables de venir parler rap. So, nous, là, nous en forme, malgré situation pays chaotique, mais nous, là, quand même, et puis nous avons avancé. Bon, d'ailleurs, un peu le respect, je suis content, je suis content de l'invitation, je suis content du fait que. Parce que je me rappelle la première fois, tellement on travaille sur Internet là, j'ai écrit au monsieur, je me dis, Zamim, et moi, mes jobs à faire, et félicitations, parce que moi, je me toujours aimé backup et nègre. Parce que pendant ce temps, je n'ai pas qu'être nègre, je me fais ça pour eux, non? Mais tellement de travail positif parce que je m'apprends de vous en pile tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, Merci à tout le monde. en pile respect, je suis content que vous n'en soyez. Et bienvenue, men, Naprilax, ça fait un plaisir que vous là. Yo, merci un peu le papy et le fait que vous choisissez et invitez nos émissions pareilles parce que l'aime tout petit m'attendons. Ah ben, tu m'as appelé l'autre, l'autre petit, Tant fait. après moi. Ah ben, non, ah ben, l'autre fait ça ou mal géré, mais comme si c'est grand monde, moi, m'a appelé Non, ça. papy. Non, nous pas du grand monde. Ouais, papy, ça, tout m'attendons le En temps tout pour cas, moi. Abens, et qui est-ce qui Abens? Et bon, on nous dit rapidement que Urbans, son jeune garçon, depuis plus que 10 années, qui baille un bon parti dans la ville avec Osé Hip Hop et spécialement rap musique. Donc, nous t'es démarré dans diverses radios. Nous t'es font passer nos radios télé 1D+. Ensuite, nous t'es rejoint l'équipe Radio Mélodie FM là, pour nous t'es démarré diverses émissions là-dedans. Tant qu'on émission qui était les Tamis Music, nous t'es dérapé avec l'autre émission qui était les rap promo. Ensemble, nous t'es constitué panel rap promo. Après, nous t'es rejoint l'équipe Peterson François Junior là, DPG dans Caraïbes. Un peu de Et respect nous pour t'es PJ. connu. Oui, à l'aise, nous t'es connu dérapé ensemble avec monsieur Nataraday. Et puis par la suite, nous t'avons pris un break pour nous t'es capable. Ah, signal là, pas de problème là. Showtime. Et puis, nous t'en donnons bien, bah, on est, nous t'en donnons bien. Non, mais on parle, non. C'est pour là de temps en temps qu'a fait camper, mais où mettre parler, où mettre parler. Ah, ok, parce que moi, je comprends 5 sur 5, je Pas de comprends problème. bien. Zamim, Ok. ma couteau. Ok, alors, nous t'en dit comme ça que et nous t'es ensuite back dans Radio Mélodie FM, nous t'es campé diverses émissions, divers projets, ensemble avec Zonaz et Missionary, nous t'es campé Beat on Beat, yon espace côté pour jeunes, vin défouler, vin talk about hip hop, vin talk about rap, et puis tout, nous t'es lancé tout, on émission télé Showtime, et after nous t'es passé dans Central Music, dans Sky et TV, ensemble avec Peterson et François Junior DPG, et puis right now, nous lancé projet iMusic là. Et puis par ailleurs tout nous c'est communicateur, nous c'est opérateur culturel et puis nous c'est avocat tout. Nous c'est avocat dans barreau de Port-au-Prince. Bon, Oh, et gros causé. ça Ça veut dire là, si j'ai un problème à Haïti, là, m'garé l'eau, oui. mon cher et nous pas trop mélanger bagaille parce que après sous réseaux sociaux nous pas trop vendre nous en tant qu'avocat, oui, nous sommes avocats, nous pas avocats bout de mamie, et ceci nous pas fondé de pouvoir, nous pas de racketeurs qui devant tribunal, non, nous c'est monde qui fait partie d'un corpus que aurait les avocats du barreau de Port-au-Prince. Yeah, nous là, papa, Mon cher, nous ça a tout. pile respect, m'apprécie ça, Merci, mon frère. les m'attendent de où? Les m'attendent de où? Toujours dit à Benson qui gon en culture musicale qui vraiment extraordinaire de tout temps de se confondu parce que me suivez-vous, ça veut dire ou gen doit choisir deal avec hip hop, ou gen doit choisir focus sur hip hop. Par exemple, comme moi-même, me travaille dans me fait compas tout, mais c'est teaser rap. Ça veut dire comme si me dégado, c'est même je leur parlais de manger, moi-même, moi mets tout manger, mais ouais, du à la l'homme pas négocier pour personne. Vous comprenez? Mais Abens, mon cher, je suis content du fait que là, nous prenons du fait que là, nous prenons relax, nous prenons enjoy. Où tu as parlé de I am music, projet ça, qui est-ce qui est responsable? Qui est-ce qui vient avec projet ça? Idée qui est-ce lié?
Bon, on dit que iMusic c'est un projet, on les beau. Mais right now, nous vraiment pour qu'on les beau parce que nous-mêmes, nous comptons ça, on les beau, je l'ai dit, et nous comptons ça lié. Mais entre temps, nous dans la phase de gestation, nous. iMusic, c'est un projet qui était dérapé avec un MC qui est le TF, TF Baron, hein, qui était rejoint ensemble avec Blazimatic et qui était rejoint avec un gros garçon qui est le Sadi Civil et qui t'apprend à faire connexion ensemble avec lui. Et ensemble, nous allons mettre sous pied iMusic. iMusic, entre temps, nous avons un studio recording, nous avons une salle photo-vidéo, nous avons une émission, nous avons diverses activités, nous avons divers services que nous gérons en dans la communauté musicale là, ou bien en dans le business musical ici. So, iMusic, c'est ça lié. iMusic, objectif là, c'est dans 5 ou bien 10 ans pour nous capables de vivre établir un empire. Dans le business musique haïtien, c'est peut-être ça, jeudi à nous vraiment approfondir un package dans le business musique haïtien. So, nous collaborons avec divers mondes, nous réalisons divers projets. À iMusic pour l'année 2021, nous avons réalisé un projet qui était intéressant, qui était le iMap Challenge, Can You Rap Like Me? Projet qui était là de 10 artistes, 10 MC, même si c'était 11, mais à la dernière minute, nous pas trouvé gain Chris Peck, tant que ça a été annoncé, mais nous avons gain Wood Terry, Blazy, Burning, et Kimberly, etc. Nous avons gain un paquet MC sous projet ça, c'est un très bel projet qui était fait Wood Pi pour l'année. Pour l'année 2020, nous avons arrivé à réaliser le projet I'm Rap Challenge, nous avons dit plutôt projet. Peace and Love qui te gagne plus que 30 artistes sous lui, dont Fantôme, Méchanceté, Atroce, etc. Donc, son projet que nous te connectons avec l'équipe Action Force là pour nous te arriver réaliser, pour nous te dire non avec cause insécurité à pas bon ici, pour nous te dire non avec et distribution Zamion de Détoyo. Son projet ça a été vraiment intéressant et projet ça a été fait. Et faire pour le faire, même si il n'est pas arrivé faire ça que nous te souhaité le faire, parce que jusqu'à présent, il y a une guerre qui a fait en Belgique. Jusqu'à présent, si mon 15, 16, 17 ans, des âmes qui viennent en et si mon 17, 18 ans, avant pour la prostitution, mais quand même, nous avons essayé de réaliser le projet. Ça. Et puis, iMusic pour 2021, c'est le projet TF que nous réalisons, le projet Blazimatic que nous réalisons, le projet Kimberly que nous réalisons, divers projets que nous réalisons même. En tout cas, gros, et c'est ça. En tout cas, moi, nous sortis la première partie déjà. Et qu'on y a n'a travaillé sur deuxième partie, mais c'est qu'à niveau nous, puisque nous avons gardé flyers ou à chercher le monde toujours. Oui. On dit que flyer ou distribuer, ce n'est pas vraiment flyer deuxième et partie ou bien volume 2. C'est juste flyer l'année passée. Ça veut dire MC ou qui sous flyer ça, c'est MC qui était là l'année passée. Okay. MC tant que Dalimix Be Out, MC tant que Blazy, etc. C'est MC qui était là l'année passée. MC année ça, nous avons vraiment fini. Entendons-nous, mais par contre, nous déjà au moins gagné 7 à 8 MC qui déjà prêt. Donc pour Anessa. Et Anessa, trust me, it's gonna be hard cause MC que nous fait choix de yo, c'est le MC, trust me, qui passe spit bars, hard bars. So, moun yo met get ready, cause rap is back, man. Moun yo met just quen dans ça, parce que le projet I'm Rap Challenger. It's gonna be big, man. Yo, big thing, man. Trust me, big thing. Parce que, projet en réalité, c'est qui ça lié comme rapidement dit nous ça, c'est que rap pour nous, c'est une musique de compétition que lié quelque part. Et si c'est une musique de compétition, ben you show me what you got, but soit on connaît, soit on gagne la caille ou bien exposer le tout. So, c'est peut-être ça que l'idée c'est une compétition quelque part, parce que nous gagnons beat pour 11 MC. Okay. Yo beat et chaque MC gen beat là dans mille et chaque MC pour le faire fait pas dans face ben show rhymes, show skills, knowledge and more, but chaque MC fait a fait pas, that's it. C'est il des projets ça. OK, et on quitter I'm
Music, je pense que le monde, je suis content, ouais, Embry, dans AM Music, parce que Embry, son nek très très longtemps. Oui. Parce que nous avons monsieur sous drog là, et musique, monsieur te fait créer les drog pam, son musique qui te marché en pile, vous comprenez? Et Abens, bam. Bon, classique musique là. Bon, pas rien maintenant ça. Puisque, par exemple, je connais que, par exemple, son avocat qui est oué, et gon paquet pal en pile qui te gagne dans la question bagay isolant, hein. Est-ce que moi mon yo a dit que yo t'ai arrêté isolant et mais pendant cet temps gen moun qui dit que son on sorte de interpellation qui est lié. Qui différence qui gagne entre arrêter un monde et puis interpellation, c'est qui ça lié ou même en tant qu'un avocat? Bon, on dit que la justice capable à n'importe qui moment interpeller un monde soit dans le cadre d'un dossier ou du moins yon moun qui impliquait directement ou indirectement dans le dossier. Qui veut dire que tout citoyen, à n'importe qui moment, capable de pouvoir pour vous présenter au par devant la justice. Et ils ont là pas épargné de ça. Maintenant, le problème, c'est que qui ça, ou bien dans qui cadre, ou bien dans qui dossier exactement, que ont été interpellés isolant. Et aussi, qui est-ce qui t'a interpellé isolant? Qui est-ce qui a droit à interpeller au monde dans le cadre de son dossier? Parce que ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes dans ça qui a pour avec traîner au monde par devant la justice. Donc, on est capable de traîner au monde par devant la justice diverses façons. Premièrement, il y a la citation directe. Posez. Pardon? Premièrement, il y a la citation directe. Et puis, deuxièmement, votre sorry, parce que ma fonti déplacée côté Mia. Regardez, non, relax, take your time, man. Fais ce que vous faites. Fais ce que vous faites, man. Et mon bon artiste côté là, Manny. What's going on? What's good, bro? What's good? Regardez. Patrick, je suis un bel artiste, man. Et très bientôt, ma frappe, monsieur, dans l'émission, papi. Regardez. Abend, je suis assez pour lier. Moi, et blessé, je suis pas un mec, mais là, non, ça me plaît. Blessé. En tout cas, un peu de respect pour tout artiste qui est beaucoup de gens. Et prends ça, on relax, et puis pour nous faire ça, pour nous faire amen. Non, I'm cool, man. Et. Mazane chéri Doudou, et sponsor show. Pas gagné, pas fait pour. Ma ko antidote, log sponsor va comprendre. Ma ko antidote, jolé. Ah, on compte ça tout. Bon, next ça tout le monde. Tout le monde connaît ça, monsieur. Jolé. Dis que tout ne l'a fait discussion rap avec moi parce que le connait rap passé. Non, monsieur son teaser musique que lié spécialement hip hop musique, monsieur son bon teaser. Bon, on y a là, on va le faire monsieur, on va le faire monsieur couper petit parti ça pour la gueule papa. Non, eh bien, ma ou motise lié, mon cher. Non, en tout cas, monsieur, c'est colonne. Moi, forme de monsieur, c'est colonne. Moi, son nek ma presse en pile. Ma conti d'autres, monsieur. Son good guy, man. Son cool guy, tout. Son monsieur, comme ça, la fée, monsieur, intéressant en pile dans la musique. Non, pas y maintenant ça. Oui, Abel, on a fini de bas isolant parce que nous tellement gué bas pour nous parler là. Ok, I'm ready, man. So, alors, ça me tape dit, c'est que il y a diverses façons que la justice capable d'interpeller au monde dans le cadre de dossier. Premièrement, il est capable de faire par citation directe. Abens, faut titan. Tout le monde qui fait connecter yo et faut dire Abens, monsieur son animateur, monsieur son rappeur, monsieur son avocat tout. Et n'a pas les de tout et de rien parce que on va le poser monsieur comme si n'a puisque yo té gars pile monde qui t'a couru brief fait connecter yo arrêté isolant. Mais poser Abens son question pour demander qui différence qui gagne entre les yo arrêté au monde, les yo interpellé au monde. Mais il y a un peu de monde qui a dit qu'il a arrêté isolant. Par rapport avec ça, Aben dit yo pas arrêté, monsieur. Aben, yo pas arrêté, monsieur, yo était déjà interpellé, pas vrai? Justement. On parce continue. Que, bon, parce que qui s'allie et tant que j'aime Zoula, yo capable, la justice capable d'accepter tant de monde, traîner monde par devant le tribunal, c'est pas en citation directe. Et yo, et par exemple, tout, si toutefois, et qu'on juge d'instruction dans cadre d'un dossier que l'y a enquêté sous lui, que l'y a instruit, l'y capable besoin tant d'un monde là-dedans, laisse à lui décerner un mandat de comparution, à ce que monde s'accompagne devant, pour monde là capable venir dire qui ça exactement l'y connaît et comprendre le dossier ça. Okay. Donc, on dit que, et commissaire gouvernement, alors par contre qui est exactement,
qui t'a interpellé isolé. On est si c'est commissaire gouvernement, pas qu'on est si c'est un juge d'instruction et pas qu'on est si c'est DCPJ tout. On dit DCPJ pas gagne aucune qualité, il pas gagne aucun droit pour lui capable interpeller au monde. Ça la première chose, y compris maintenant le commissaire. Mais yo dit c'est DCPJ, excusez-moi Ben, yo dit c'est DCPJ qui t'a campé monsieur. Eh ben justement DCPJ pas gagne droit ça maintenant. DCPJ capable recevoir l'ordre là. Il capable recevoir soit de la part du commissaire du gouvernement, c'est-à-dire commissaire gouvernement comme étant le chef de la poursuite pénale, il est capable de mettre action publique en mouvement contre yon moun. Vous comprenez? Maintenant action publique là capable de mettre en mouvement soit les gain flagrant délit, ça veut dire yon action. Alors flagrant délit, yo kembe la main dans le sac. Pas nécessairement ça. Flagrant délit, c'est une infraction qui commet kounya ou bien qui saute commet. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire andi pendant deux heures là et gon moun yo tire. Et moun yo tire à hauteur là. Hauteur et aklan, monsieur prend poursuite, c'est-à-dire son équi à la fuite. Maintenant, commissaire là capable de décerner yon mandat contre moun ça. Et ceci son mandat d'arrêt. Et c'est seul dans le cas ça que le commissaire est capable de faire un mandat. Le commissaire est capable de faire un mandat en seule façon. Les flagrants délits. Dans le cas contraire, le mandat, c'est quelque chose qui est typiquement réglé par le juge d'instruction. C'est le juge là qui est capable d'émettre un mandat, pas le commissaire. Le commissaire est capable d'émettre un mandat seulement si il y a un flagrant délit. Donc, son façon pour me dire que dossier isolant, c'est un peu flou, flou, parce qu'il y a quand même une affaire de politique là-dedans, parce que et nous pas qu'à vraiment connaître qui est-ce qui t'a interpellé isolant. Est-ce que, un, c'était le commissaire du gouvernement? Est-ce que, deux, c'était un juge d'instruction dans le cadre de dossier? Ou du moins, c'était la DCPJ? Mais c'est un peu flou, dommage, je t'ai parlé avec isolant pour me connaître exactement de quoi il en est. Mais Abens, les gain interpellation, est-ce que je dois choisir? Est-ce que je dois choisir de parler? Et ça dépend de qui est-ce qui interpelle là. Et puis alors lors de parler, mais par exemple, on dit par exemple notre cadre on parle bien du ça en réalité mais les interpellations hein, c'est en réalité des mandats que vous émettez à l'encontre de vous-même. Jean Zoulan, nos juges d'instruction, par exemple, dans le cadre d'une affaire, il est capable de décerner un mandat de comparution contre vous, ou du moins un mandat d'amener ou bien un mandat d'arrêt contre vous. Parce qu'il y a trois types de mandats. Il y a un mandat qu'on appelle mandat de comparution, il y a un mandat qu'on appelle un mandat d'amener, il y a un autre mandat qu'on appelle mandat d'arrêt. Mandat d'arrêt, c'est quel que soit à côté au genou, il y a retour. Mandat de comparution, c'est entre parenthèses une sorte d'invitation. C'est-à-dire, on vous invite au cabinet d'instruction dans le cadre d'une affaire. Donc, on y a, si son mandat de comparution, on est capable de comparer de deux façons. Il est capable de comparer soit lui-même personnellement, il vient, ou du moins, il est capable de comparer à travers un avocat. Avocat capable de présenter pour lui. Maintenant, avocat, il est capable de présenter pour lui, mais juge d'instruction en tout, il est capable d'exiger que c'est moi personnellement qui vous vienne côté. Ce n'est pas avocat. Donc, son façon pour dire que dossier isolant et son dossier qui est entaché de politique, donc, il est difficile pour nous décerner lui ou bien pour nous décortiquer lui à travers le droit. Parce que dans dossier isolant, on a l'impression que ce n'est pas droit qui a fait. En tout cas, c'était plutôt politique. En tout cas, Abens, mon cher, m'apprécie ça, puisque nous connaissons parlé de rap, isolant son rappeur, mais il y a un pile monde, parce que c'est nous-mêmes, et comme si devoir nous, c'est former moun yo et informer yo et puis divertir yo. Ça veut dire, un pile monde a brûlé que yo arrêté isolant, yo. Parce que nous besoin faire moun yo connaît que yo pas arrêté isolant. Son sorte d'interpellation qui a été fait, ou même en tant qu'avocat, ou et comme c'est ou élaborer de ça. En tout cas, et pour nous quitter bagay isolant, pas oublier que
Ah ben, m'pa pour en tant que rappel là, non papa? M'a pour en Oh tant que... non, on n'a pas mon paquet de bagages Ok, là, papa. ok. Mon cher, bonjour. Gen pile rappeur, pour moi, ça c'est moi. De pour un rappeur, par contre freestyle, ou pas rien pour moi. Ça c'est moi. Ok? Ça c'est moi. Ça veut dire, de pour un rappeur, par contre freestyle, ou pas rien pour moi. M'connais tout, gon paquet, et tant que plusieurs fois, Jay-Z après quoi, mais c'est pas lui qui écrit, yo. Vous comprenez? Mais ça qui est important, qui est freestyle pour vous? Bon, et rapidement, je vais répondre pour nous. Mais freestyle, ce n'est pas pour moi, mais en réalité, c'est qui ça freestyle? En général. Et faut, justement, il faut dire que je vais faire une vidéo pour faire, supposé freestyle, sur Channel YouTube. Abens, Abens, regardez. Moi, j'ai un là, immédiatement, je finis ah, okay. Avec choix ma plagueille. Je vais me recevoir en pile, mon cher. Ok, thank you, bro. Thank ah you, ouais, man. So, on dit que freestyle, rapidement, c'est une bonne définition que nous avons avec lui-même, c'est que freestyle, c'est un style libre. C'est-à-dire, c'est un step ou bien c'est un style côté là-dedans ou pas vraiment une formalité que vous obligez à adapter avec, ou bien obligé à fondre avec. Ça veut dire quoi là? Ça veut dire que dans un freestyle, ou bien liberté pour capable de sauver. C'est-à-dire, ou pas vraiment une thématique que vous avez traité, ou pas un sujet que vous avez traité. Contrairement avec une musique, par exemple, une musique, soit parler de drogue, ou qu'on est traité dans la drogue, soit parler de sexe, soit parler de sexe, soit parler de l'amour, était dans l'amour, soit parler de l'argent, parler de l'argent, et puis, that's it. Mais non freestyle ou juste un champ libre devant, non seulement côté sujet ou pas vraiment limité, parce que ou capable de freestyle, ça dépend de quel type de freestyle que vous allez faire, ou commencer dans la chaise là, ou tomber dans le ciel là, ou passer dans la terre, ou tomber dans de l'eau, ou tomber dans un paquet de bagaille. Et puis tout, freestyle dans tout, c'est que bon standard qu'on ne pas respecter. C'est-à-dire, ou pas de limite tout dans ce aspect là. C'est-à-dire, le freestyle ou qu'à partir de 0 minutes jusqu'à 20 minutes, ça dépend de l'ensemble tout qu'a fait le freestyle là, et puis that's it. Donc, en gros, freestyle là, c'est un espace côté qu'on l'a dans, ou bien son champ côté qu'on l'a dans, ou juste explain nous, ou juste libre. T'as qu'on l'a dans, ou pas qu'on ligne directrice. Justement, voilà ma gloire qui est pour les jeunes. Donc, c'est ça, freestyle là. Donc, on y a divers types de freestyle. Parce que freestyle là, c'est un bagage qui commence à paraître dans hip hop là depuis le début 70. Yo. Parce que freestyle là, ça c'est paraître avec rap là lui-même. Parce que les MC, maître de cérémonie, yo, les par exemple DJ Kool Herc, t'as essayé de faire de scratching, il te gagne de MC qui devine faire de freestyle pendant la fête de scratching. Scratching. Et puis dans street là tout, il y a de big boxer, de nèg qui a fait beatboxing, et puis il y a de nèg qui t'est venu, vient à faire freestyle sous lui. On y a à partir de l'année 80, pour aller venir divers types de freestyle qui pourraient commencer à développer. Pour aller bon freestyle que vous pouvez aller le freestyle impro, c'est-à-dire improvisation, là-dedans, texte n'a pas écrit, MC a just venu, li vin et dit ça la dio de façon spontanée, li gon spontanéité la kali, et puis li gon aisance, li gon facilité pour jeune moyo, et puis li just dit ça la di a dat set. C'est-à-dire pas gagné qui écrit. Les gars vinn dal commencer le dit à la ordinateur. OK, pas un problème. Après ordinateur a ben gon képi derrière tête li, a ben gon chaîne dans coule, li gon casse dans oreille et puis dat set. Les gars vinn li vinn spit base comme ça. Ça c'est un freestyle que le freestyle impro. Mais en dans freestyle impro à tout, gagne plusieurs, on dit gagne des subdivisions là-dedans. Qui subdivision gagne là-dedans? Par exemple, dans street, pas oublier que rappelant les gros aspects street là-dedans tout et particularité ça fait dans la ria, gagne de MC qui te kon affronter l'autre. Et les MC yo affronter l'autre comme ça, yo te kon gagne de freestyle battle. Freestyle battle. Donc son bataille de freestyle. Non, freestyle battle ou ali kon fait qui genre? Freestyle battle ou ali kon fait de façon impro. C'est peut-être ça que c'est une sous-catégorie qu'on peut aller venir joindre en dedans
et freestyle là. Et puis l'autre catégorie qui vient dans freestyle là, tout c'est freestyle que vous voulez, freestyle c'est quoi? Freestyle c'est quoi? Les mêmes sont freestyle qui peut être dans les 90 yo. Son freestyle côté, pas oublier que rap comme musique, rap comme yon nan élément en dans hip hop, pral commencer prendre ampleur et pral gagner yon côté, et comment on dit ça, un côté pécunien là dedans. Alors l'aime dit pécunien, son côté business, son côté l'argent. Pas oublier, rap c'est élément en dans hip hop qui plus rentable. Dans ça ou le business music et on pral rentrer dans ça ou le entertainment showbiz. Donc nèg yo yo pral préparer freestyle yo et c'est ça ou pral le freestyle c'est quoi, c'est-à-dire les nèg arrivent dans show par exemple, les nèg arrivent dans Hot 97 avec Funk Flex ou bien les nèg arrivent dans show ensemble avec et par exemple Swing ou bien nèg arrivent dans quelque soit show gros show hip hop qui gagne, nèg a toujours la gros freestyle et freestyle que la gars souvent son freestyle c'est quoi mais à ben parce que son freestyle c'est un minimum de préparation à ben bon faut petit capot. Et gon sorte de freestyle m'de kon gade sou BET qui rele Freestyle Friday. Et comme si Freestyle Friday tande. Alors soit permettre moi Freestyle Friday la réalité. Son choqué. C'est ça m'gal dou. Pas oublier que l'on a la vie ou freestyle. Ou fait improvisation freestyle avec l'on sou gros chaîne télévision tant que BET, c'est pas même bagarre là. Lorsqu'on gros chaîne télévision tant que BET ou pas gagne droit aller ouais, c'est-à-dire souvin freestyle dans street dans soit freestyle ça qu'arrive au perdu ça qu'arrive tout dit ou la gagne de curse word, mais lorsqu'on gros chaîne télévision faut préparer parce que on gagne non seulement de millions de monde qui va regarder ou qui va attendre mais tout côté business là, donc faut pas être extraordinaire dans soit faire en façon pour qu'à vendable et pour qu'à rentable. D'accord. Et m'ta parlé de ça dernièrement. M'ta même pour un exemple. M'ta parlé de Bricks avec Isolan. M'ta parlé de rappeurs et qui toujours plaignent, yo pas jeune sponsor. Donc l'on parlé de nèg cap rap pour moi-même, ça c'est moi. Pour moi-même, Bricks pi kon rap que Isolan ou là. Oui, yeah, pour moi même Bricks puis qu'on rap qui isolant, mais isolant puis vendable que Bricks et c'est ça qui permet que isolant, c'est ça qui permet que isolant ait toute possibilité ça yo, c'est ça qui permet isolant ge, et comme si ben moi prend pour moi dit que moi plus Bricks puis qu'on rap que isolant, ça c'est moins Bricks puis qu'on rap que isolant, mais isolant puis vendable que Bricks. C'est ça fois Isolan gagne tout sponsor ça et nèg pa gagne yo, parce que pas oublier que 4 ans c'est l'argent Isolan parlé connia avec Jean te kon parler 4 ans de cela li nettement différent, ça veut dire monsieur gon Jean li vend tête li qui nettement différent avec Jean te kon vend tête li auparavant, vous comprenez. Mais m'a couteau OK bonjour. Bon là nous pral vraiment et rentrer dans l'autre sujet, mais pour finir avec Freestyle là, bon troisième type de freestyle que les cypher. Donc on cypher son freestyle que dit pour monde qui pas connaît, parce que non cypher on pas grand thématique pour suivre et non cypher chaque MC respect ça ou vle. Donc on cypher just showcase talent, justement son type de freestyle que dit, parce que wap show skills, show knowledge etc. So on y a pour poser qu'on rap pas qu'on rap. Donc on y a pour dire au monde qu'on rap, il y a des critères pour nous établir. Quand il y a plein tout, il peut dépendre de qui ça. Et il peut bien pour avec par rapport à qui est. Est-ce qu'on a? Par exemple, aux États-Unis, pas les États-Unis sont un pays extrêmement capitaliste, sont capitalistes à outrance qu'il a donné. Donc, nous savons que c'est all about money. Yep. So, de ce fait, nous avons toujours inventé de courant dans le rap. Par exemple, nous avons dans 10 dernières années, nous avons inventé trap, nous avons inventé drill music. Right now, nous avons inventé un modèle rap qui est rap ignorant, ou bien ça, le rap débile. Par exemple, nous avons fourré de rap en tant que Soulja Boy là-dedans, de rap en tant que Lil Pump là-dedans. Donc, Lil Pump, on est qui dit Gucci gagne plus que 100 fois dans la musique, et puis right now, qui est millionnaire. C'est parce qu'aux États-Unis, un verso fait, depuis qu'il est capable de créer focus,
eh bien, il y a fort. Ou fait comme là. À l'aise. On y a envie de causer BRICS avec isolant. Et ça, on doit reconnaître, c'est que il y a diverses façons capables de déterminer si on est un rap ou pas. Mais généralement, il y a défini un bon rappeur à partir d'un sigle et les clubs. Clamp, c'est K-L-A-M-P. Ça veut dire knowledge, lyrics, attitude, comprenez? Et tout ça, y arrive à déterminer ce qu'on rap à partir de ça. Ou bien, BRICS avec isolant, c'est deux rappeurs. Mais BRICS, côté attitude, côté knowledge, côté skills, côté rhymes, BRICS better than isolant dans tout sens ça. Ça, on ne nous pas obligé, on pas obligé expert. Pas un débat sur ça. Non, pas un débat, ça clair. Mais qu'on y a, pas oublier que rap musique ligue aspect commercial là là dedans. Ligue côté entertainment maintenant là dedans. Ligue côté showbiz là là dedans. Qu'on y a, ça veut dire. Ça veut dire que toute musique qu'avant, toute rap qu'avant. Pas occupé pièces moun ki dit par exemple rap politique la pas vendre ou bien rap boom bap la pas vendre c'est rap chop la cap vendre respect dit ça respect dit ça that's it toute musique ka vendre ou nya c'est MC ya ou bien c'est équipe MC ya pas oublier en Haïti rappeur pa gen équipe même dit pa gen équipe nèg yo pa gen moun k'ap travay avec c'est rappeur ki tout bagay c'est ou ki animateur tête yo c'est ou ki producer tête yo c'est ou ki manager tête yo c'est ou ki tout bagay kounya li pral dépend de stratégie qu'on met en place pour faire business ou en marché parce que son business ou gen kounya isolant capable mettre stratégie dehors pour faire business isolant en marché et puis bref le même bon côté parle li pas mettez assez d'énergie et puis li pas développer une stratégie qui assez I got you. Même pour business en marché. D'accord. Bon exemple pour comprendre. Un par exemple Wendy. Et c'est peut-être ça chaque fois m'a fait de Wendy, nous toujours dit ah putain le mec il est vraiment un génie. Wendy avait tout calculé dès le début. Wendy calculait tout bagaille. Vous allez expliquer pour qui ça Wendy calculer tout bagaille. Donc, Wendy paraît en 2010, bien avant Wendy te commencé à faire musique crap. Mais à partir de 2010, Wendy commence à développer une stratégie de marketing pour musique que lui a fait. Qui stratégie de marketing monsieur utilise? Monsieur, utilisez une stratégie de marketing, premièrement, qui chita sur le choc value. Choc value, en réalité, c'est une stratégie de marketing côté la donne MCA ou bien artiste choisi, choqué moun, dans objectif pour capable créer attention sous tête. Mais tout pour capable permettre de moun parler de lui. C'est-à-dire, lui provoquer réaction la carrière. Ça, Wendy fait. En 2010, là, Wendy paraît dans rap, non seulement lui développer un rap qui axé purement sur l'ego trip, mais tout, Wendy, dès le départ, lui autoproclamé Tepi King et n'est qui pifon dans rap. Et à l'époque, il y avait D-O-Z dans le rap qui t'a mené, il y avait Phantom, il y avait Isolant, il y avait Jibo Bibo Flo qui peut pas mourir, il y avait Big Jim, il y avait tous les meilleurs rappeurs de l'époque, non seulement meilleurs rappeurs étaient là, mais tous les gens étaient dans le moment. Yo. Est-ce qu'on l'a? D'accord, mais, ma voix. Il y avait Bob G, etc. Maintenant, les gens ne pas comprendre ça. Je parle de les rappeurs dans l'époque là, qui t'a mené, ils juste pensé son petit motherfucker qui Guadeloupe, qui a fait musique rap, qui n'a pas aucun ancrage en Haïti, donc les gens pas fiers de lui. Et Wendy paraît avec arrogance, mais tout Wendy dans musique rap, lui fait en sorte à ce que lui utilise de mots percutants, très easy et de punchline facile à capter. Ça, c'est le premier bagage là. D'accord. Ça veut dire que c'est Jean Campé devant Bosta et Al, prends musique en son. On va bien parler là. Je présente là, c'est comme ça à prendre. Ça veut dire Wendy paraît comme un effronté, Wendy paraît comme un arrogant. Et dans l'époque là, personne pas stoppé et le mec il a continué. Maintenant, c'est la première stratégie que monsieur utilisé. Deuxième stratégie que monsieur utilisé, c'est que
Monsieur aller vers l'internet. Qui ça, ça veut dire? Alors rapidement on contextualiser. En 2010, nous-mêmes en Haïti, nous pouvons vraiment expérimenter internet là à outrance. Ça veut dire nous t'es à peine à faire connaissance avec internet et aux États-Unis lui-même, il était à peine alors dans musique là. Dans business musique spécialement dans rap, il était à peine à expérimenter de réseau tant que YouTube par exemple. L'on on est tant que Soulja Boy à l'époque, Soulja Boy à peine a expérimenté YouTube et Soulja Boy pral vraiment déclencher la vague de YouTube et c'est Soulja Boy qui pral permettre que on équipe bande gros rappeur like 50 Cent qui pral rejoindre monsieur Wiz Khalifa qui pral rejoindre monsieur dans époque là qui pral vraiment créer un fan base sur réseau ça. Monsieur pral use i5 on bail comme ça. Monsieur pral use YouTube, monsieur pral use SoundCloud etc pour capable faire promotion musique li. Et Wendy qui a vive Guadeloupe qui ouais tout ça yo qui ouais impact ça gagner, monsieur choisi utiliser internet là tout. Là monsieur utiliser internet, ou comment ça le fait? Il fait deux bagages. Premièrement, monsieur arrive toucher un pilage public que rappeur qui Haïti yo, par exemple Léon Fantôme ou bien Léon Blaison a essayé toucher nek ki en Haïti, alors que Wendy lui-même l'a cherché toucher haïtien qui Canada, haïtien qui États-Unis, haïtien qui Nancy là, même si pour qu'on gagne vague haïtien ça au Chili avec Brésil, mais l'a essayé toucher haïtien ça au qui l'autre bord de l'eau ça yo, et qui a utilisé ou bien qui a peine à utiliser internet à l'époque. Maintenant c'était vraiment intelligent de sa part. Et puis l'autre stratégie Wendy vin utilise encore, c'est que Wendy dans époque là monsieur Vin collaborer avec de moun qui yo même pas comment on peut dire ça, parce que pas oublier époque là parler la BBC c'était la fièvre. BBC contrôlait le rap en Haïti, pas gars sortir de là. Maintenant monsieur fait en sorte à ce que Vin collaborer avec Dodji dans moment li même. Parce que Dodji c'est le premier monde qui collabore avec monsieur. Ça veut dire ça. Monsieur a renforcé l'équipe ça. Mais fon dit tout. Fon dit tout. Dodji c'est le premier monde qui a cherché monsieur Léo Gano, papa. Eh bien, justement, c'est ça, Mabzou. Dodji a cherché monsieur, mais monsieur a accepté la collaboration. Tout. Ça, c'est important et c'est stratégique de sa part. Ou n'y a, l'autre bagage, monsieur Vin fait tout, c'est que dans l'époque là, Monsieur Fin lance son bif et puis il parle de ce bif là. Alors pour tout le monde qui n'a pas de story, ça qui bif monsieur était lancé, monsieur lance son bif ensemble avec PJ dans l'époque là. Qui bif monsieur était lancé avec PJ dans l'époque là? Pas oublier que PJ était à peine sorti album Plim Pam. Monsieur t'a marché. Monsieur était dans le moment. Voilà. Donc on a gagné Arkham Records qui t'a pris à le faire remix musique Plim Pam. Et Arkham t'a fait appel avec MAJ, Medes, Wendy et puis PJ pour faire remix musique ça. Et bien ça Wendy fait dans verse par monsieur là, monsieur Days PJ dans verse là. Okay. Et verse là hip créole mag ensemble avec Arkham Gal sorti verse ça et musique là pral parfaite et puis PJ pral répondre monsieur. PJ pral répondre monsieur sur même beat là tout. Et puis ça Wendy fait en bon rentre, et bien Wendy just par it sous beef ça. Et puis Wendy continue à prendre plume. Et là, monsieur Fin prend plume. Là, monsieur Fin sent qu'il y a ses plumes sous dol. Et puis l'attaquer, PJ, comme ça doit. Donc, c'est pour montrer que c'est calculé et c'est stratégique. Parce que dès le départ, monsieur dit que automatiquement, vous quittez le passé, la dominer rap. Ça ne veut dire pas là. Pour qui ça me fait ti parenthèse ça de Wendy? Son façon pour me dire tout MC. Son façon pour me dire tout le monde qui a fait musique. Avant tout, musique là, il y a deux aspects là-dedans. Il y a un aspect, il y a un côté artistique, c'est-à-dire son forme d'expression, son bail qui est à l'intérieur de vous, mais moi, exposé, c'est art que lié. Mais tout, il y a un aspect commercial. Donc, aspect commercial, là, il demande de stratégie, aspect commercial, là, il demande de mise en place. Pas dit tout que ou fort ou qu'on rap ou pas qu'à marcher. Non, même. Aux États-Unis, et pas rappeur qui pique qu'on rap ou qui bête, même. So, depuis plus que 10 ans, Drake Kembe chiffre dans rap aux États-Unis. Ou qu'à critiquer Drake, ou qu'à dire Drake pour n'y aller pop star, ou qu'à dire Drake pour n'y aller chanter, mais bon, hey,
Drake is a rapper. Mm-hmm. Ou vle nou pa, but Drake can be chuck you. Est-ce qu'on l'a? Koun y'a son question de Lil Baby, koun y'a son question de Lil Durk. Right now, les M&M sont son bagay, M&M burn tout moun tout. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire, c'est pas qu'on rap seulement. Non. Faut gagner de stratégie, faut gagner de mise en place qu'on fait avec qu'on rap ou a. Si c'est pas ça, il y a de millions de monde qui qu'on rap pas sou. L'MC a dit, li qu'on rap, eh bien, pendant que qu'on rap là, gen 1 million l'autre monde qui qu'on rap pas sou. On y a c'est pas qu'on rap. Qu'on rap là, c'est bien, mais mélanger qu'on rap là avec un mindset qui capable de permettre que ou vend rap qu'on gagne, c'est plus bien toujours. Ok, Abens, et on a bien parlé là, on a bien lagué. Bah regrette de là, mais moi qui rappeur au penser cap mettre tête dans niveau qu'il pas supposé qui rappeur penser dans right, moment comme si l'autre dit mettre tête dans niveau le pas doué comment et comme si niveau rap rappeur pas dans niveau là tu pour mettre tête là c'est comme si on par exemple n'est pas avocat l'avocat. Ok, je comprends. Ok, bon, je vais dire qui est clair, qui est simple. C'est que rap comme musique, il y a une certaine liberté que l'on bail avec tout le monde qui a pratiqué. Qui liberté que l'on a. C'est que côté égo, il permet que MCA, en pile fois, il vante. Il rentre dans la vantardise. C'est ça que fait aux États-Unis où est son rap Money, House and Clothes. Mais les gars show money, les gars show house, les gars show clothes, etc. So, par exemple, ok, bon exemple, bien simple. Puis, gros exemple, nous avons c'est Rick Ross. Mm-hmm. Les Rick Ross pas être dans le rap, Rick Ross vend tête li like un Pablo Escobar. Rick Ross vend tête li like un Big Boss et like on est qui tape deal coke dans street. Mm-hmm. Alors que Rick Ross pas ça du tout. Yeah. So, comprenez. So, tout le monde vient réaliser que Rick Ross est un fake nègre que dire. So, ça veut dire que Rick Ross te mette tête li au niveau que le paye. Et je ne dis à l'autre de rappeur qui dit c'est King New York par exemple, ou bien un jeune rappeur qui dit que c'est King, ou bien Best Rapper, etc. So, ou bien le rappeur qui dit que c'est God. Non, King New York, King New York là, Jay-Z. Merci, Nazli. Ça y est, avant, il y a Nazli fait mon Grammy. Et Abent, avant, il y a Nazli fait mon Grammy là, mon cher. Non, il va Grammy. Nice. Et Abent, pas rien sur dire là, regardez, depuis on va recommencer. Alors, mes côtés, c'est que rappeur est capable de le lever au bon matin, il finit moi, je dis oui, ou bien quel content, et puis il dit que c'est bien plus fort. Kounia. Rappeur qui a dit ça, c'est avec le public là, même qui va juger ça. Par exemple, Fantôme Level dit tête li papa. Bon ka ou dit le demi dieu. Et Wendy dit le king. Et Captain dit le jeune. Joanne Théodate. Aben, salut Joanne Théodate pour moi, boss moi. Joanne Théodate, ça va, ou en forme? Et ya, ou dit Bob ka ou dit le demi dieu. Bon, pour qu'il y ait des mitjons, mais... Mais on va tirer ça à Benz, mais ça... Non, attendez, moi même pas prêt de monsieur comme ça, et lui prêt de tête comme ça. Même si les gars, il est tête comme ça, je respecte ça, je dis ya. Donc si les gars estiment qu'ils sont des mitjons, ça n'est pas qu'ils gardent, Bob Gaï, que c'est des mitjons. Kounia, si ma foi analyse, Kounia, m'gatop, m'gatop toujours dit, ah, monsieur a top shit, et pas ça, il est mais quand il y a Sénégal, il y a des techniques comme ça, je ne vais pas me démentir. D'accord. C'est ça. D'accord. Je ne vais pas me démentir ça parce que, après, et pas jeudi à la, Six Snap dit Little King New York. Mm-hmm. Et puis, Six Snap pour moi, son wakatisme. Non, mon cher, je ne sais pas souvent. C'est un café rap. C'est un équipe bat call qui gagne sur Internet là. Non, et pas parce que monsieur son rap, non. C'est pas pour ça que monsieur fait. Non, mais je parle de rap, monsieur. Mm-hmm. Je parle de rap, lui. Je ne sais pas, on est qui y vient sous mon rap, lui. Monsieur toujours fait le same shape dans la boue. Mais, et monsieur dit que le King New York. Bon, on a essayé de le boumer avec les avoues de Pazel dit King New York. Le 50 Cent, il a fini de réaliser l'album Get Rich or Die Trying. Monsieur dit que le King New York, d'ailleurs, ouais, 50 Cent est biff tout le monde. 50 Cent est biff Nas, les biff et Jay-Z, etc. So,
Mwen se ke e bay sa yo, wap toujou jwen yo men. So wap toujou jwen yon rapè yon bon lèk leve, yon bon matin la, li fin manje yon gren diri, li fin tap yon kleren, e vi nega zon chè yon pi fol blak se. Ok, Abenz, pabriye ke gon paket figi de stil nan rap ke rapè yon itilize pou yo rap, pou yo ekri, whatever mizik ap ekri ya, notamman gen kalambo, gen multisyllabik. Ki moun nou panse ki pi bon nan sakire le kalambo nan rap haïtien? Et bon, m'pa di kalambo non, mais gen lèk mwen ekri yo nan okay. Rap haïtien. Ça veut dire excusez-moi, lò di de nèg mwen ekri, c'est pas nèg kapé ki pran plume nan kapé kri et puis ka vomi sou papier non, a, mais c'est de nèg kapé kri. Justement, c'est nèg qui bon technique écriture enragé. OK, on parle. Même les m'a analyse on rappeur mal dans technique écriture. Malé nan teknik flow. Mm-hmm. Parce que teknik ekritou, important pou mwen jwenn ekri a et ki figure de style ke ou use et comment use yo. Okay. Et mwen men flow a tout parce que flow a c'est li ka bam kadans la sou bita. You know what? Mm-hmm. So, nèg mwen men ekriti yo en pile nan rap, gen Enda Lyrics que pou mwen ce son gwo MC nan ekril. Et nèg qui écrit très bien pour moi, c'est 35, 36 Zivé, mais 35 toujours plongé vraiment dans l'incompris. Monsieur fait rentrer Zilea, pas de j'aime bien Zilea, non papa, monsieur fait rentrer Zilea dans 35 là. 35 mètres, je recherche toi, je vous mette ça 35, you know what, mento, et Jérémy, le matin de 35 mètres, je recherche même. Ok. Et moi, j'ai écrit 6 35 même, nèg j'ai écrit super bien. Et moi met Top Chuko en pile dans écriture. So Top Chuko pour moi écrit une chef-d'œuvre qui gagne dans rap haïtien qui c'est le notre bon. Yeah. Pour moi musique ça, c'est déjà son bijou que lui. Et qui n'a grand comme moi met plume yo men. Et pour pas dire Blazy, et pour pas dire Blazy. Oh! Et rappelle moi papa. No, that's my dog man. Non, Blazy tout le monde connaît que Blazy it's mine. Je ne pas vouloir mettre plaisir à vous, je ne pas dire que je fais partie pour bien, je viens de non, regardez, plaisir à peu pas. À l'aise. Et tolérant. Moi, écrit à Bodja tout. Alors, bon, je viens de New Generation now, right now. Ok. Parce que je ne vais pas arrêter, on sait le côté. So, et. What about Chris Peck, man? Et nek pays, mon papa? Yeah, nek pays. But I don't like. Let me say, I don't like comme c'est écrit à. Parce que. Et monsieur bon, très bon. Mais moi mes rappeur qui écrit vraiment et l'écrit li, non seulement mettez dans controversy et d'autres plus tout, li use de mots qui vraiment percutant. Comme si les m'attend au MC, m'pare mais les au départ, mon kon dernier sort pral di a. OK. Comme si moi-même les MC a surprendre moi. Mais gros rappeur pour cette cité là moi met Toby moi met Max Flo ou Jean-Max Flo écrit alors là vraiment dans New Generation là qui est encore moi même mon paquet nèg moi même dans trap gen nèg moi même qui est dans trap yo même oh dans trap là moi même nèg traffic yo bon papa. Yeah, Tikao bon. Tikao bon en pile. Même si m'estime Tikao bon, j'aime bon mon trap flow, et mais Tikao bon. Moi, F-Quake tout, dans sa la fea. Mais F-Quake, besoin stop. M'dap gade, monsieur, non show. Monsieur, pas gen pour la parler des femmes, men. Moun kapé que pour femmes. Monsieur, pas gen pour la faire baye ça. Yeah. Bon, et. Non, monsieur, non, monsieur, besoin stop. Bam, ou pas cap try pour be femme. Vous comprenez qui écrit pour femme nan moun pa écrit pour femme nan ça pa gado. C'est non ou non vinn non show just fait ça que vous fait parce que me dégain chance pour m'd'ap garder monsieur qui était avec vous et monsieur a dit grand pile mesdames que c'est moun qui écrit pour yo ça pa gado. Vous comprenez et m'pa gen problème avec monsieur au contraire m'gen monsieur et nan playlist moi là que t'as supposé jouer à ça là mais tellement gen bagay cap dit là qui important. Vous comprenez nous voulons faire l'autre bagay. Un. Mais fond dit ça rap représenté pour Abenz. Mon chame toujours dit tout le monde ça. Rap is life, man. Ou kon pou ki sa, bro? Ou al explique, bro?
Let me explain. Talk to me. Moi même avant tout, nous son mélomane. Moi même musique et musique, j'ai l'impression son bagay qui inhérent à moi, son bagay qui juste dans moi, malheureusement pas qu'à retirer. Et pas ko chame pas son jou depuis existence moi sans pas de musique. Moi bay tout moi même dans cause musique, imaginons que et j'aime saute du l'homme petit avocat. Donc c'est deux bagay qui vraiment pas match et ceci me choisit bay tête moi dans cause rap même. So rap pour moi une particularité la caille là dans la loi. Parce que rap, même les matins dans musique rap, les bombes pour. Et pas oublier que nous avons un Ben qui avait nous là, monsieur, et je ne sais pas si je suis la frontière, je ne sais pas si ça a passé, peut-être que c'est signe là qui a un problème. Ou dans le show pour la musique en nous live. Et il y a un petit problème signal là à Ben, je ne sais pas si ça a passé. Et je ne sais pas. Non, mais from, ok. You good man. On forme pas. Pas blé gema quanti d'autre qui en bala bla parce que pendant ya on forme qu'on y a. On forme qu'on y a. Pendant on a parlé des nèg qui connent rap parce que gema quanti d'autre des fois elle m'a parlé avec monsieur et les gars doivent avoir musique bon moi là, il dit ou connait rappeur ça. Me dit Marco, soit qu'on des rap. Il dit papi, pas gain rien non. Il dit papi, pas gain rien, me pas connait. Mais on connait monsieur plus focus dans sa carrière de compas et monsieur gain qu'il pile capacité peut-être monsieur grave choisi fait compas mais en pile respect pour lui ma quanti d'autre qui dans la couche Chili et qui c'est on en cap travail dans radio Alliance Inter qui cause poste nous à soir là en tout cas Abens nous t'a parlé de qui ça rap représenté pour vous. Bah là te font petit coupé et on continue puisque nous gagne mon capteur de nous là parce que fond by mon tout détail là li 8h46 nous on même si me oublier que le Jaim Fait que ce jour musique monsieur là qui les rappelle belle bagarre. Oh rappel, yeah. Giant, that's my dog, man. Big up James Wiss, Pontrage, moi qui en bas live là. Mais moi même m'a bon mentir même, c'est m'a parler des rappeurs moi même et bah non you got it. Bon charger mon nom parce que ouais équipe n'a gagné moi yo grandi tout. non, pas gain menti dans ça. Et pour fondi et puis tout gon bagay que nous besoin parler tout Abens. Nèg rap yo, nèg yo parler trop vague, nèg yo parler n'importe qui j'ai voulu. Et nèg yo besoin sponsor mais nèg yo parler n'importe qui. J'ai pas bloqué lorsqu'on rappeur ou son businessman, c'est musique ou vendre. Faut faire des bagay qui pour permettre que sponsor arrive sous. Vous comprenez? C'est même un bon exemple. Gon musique de Bobby Lasswan et li prend yon live que Pasteur Blaze t'a fait et puis monsieur prend ça que les fuck de système Pasteur Blaze c'est zanmi c'est frèm l'aime tous ces zanmi non c'est frèm ça veut dire c'est nèg nous qu'on a metté $5 pour nous faire spaghetti non ça veut dire Pasteur Blaze c'est zanmi c'est frèm vous comprenez mais et jeune nèg yo try pour faire bagarre là dans musique là et pas Pasteur Blaze non Bobby Lasswan parce que c'est monsieur qui prend et ou pas obligé à tant de monde. Vous comprenez? Par exemple, monsieur, j'aime ça dire la musique là, il y a un paquet de monde qui rive, tant coup Ed, tant coup Fantôme, tant coup Bichard, monde sur ta supposé font bagay. Ça, rappeur, besoin qu'on n'est pas de monde qui doit. C'est fait ça pour faire pour arriver quand on supposé arriver. Parce que n'est-ce pas plein pour sponsor, mais pour sponsor lui-même, pour le boss, pour le boss là, il n'y a pas de problème comme ça le baoul. Follow ou même qui sont kabali back. Vous comprenez ça veut dire ou même est-ce qu'on mande le tout est-ce qu'on cherche le tout tout ça yo la donne vous comprenez ou gen doit dire fantôme t'as supposé font bagaille pour Fedlin ti partenaire le concerté a et sac de fantôme ka font bagaille pour lui ou gen doit dire et t'as supposé produire l'autre femme sac de et ka fèl ou gen doit penser pas blé que monde là son bagaille fait lié gon paquet animateur moi me connais bah c'est ma bola pas cité non ka prend pause sur internet là sur bagaille soit nous là me fini. Yo pas sou rien mais ou même pour même on a dit pour ça monsieur pas pour un petit jeune li encadré bon n'est pas encadré tête pour l'encadré petit jeune ou comment ça me dit d'accord OK bon dis on bail tout papi on très d'accord avec Sodia et ceci c'est en partie on va l'expliquer pour qui ça oui c'est vrai MC yo obligé sorti tête yo et ça fait à l'heure m'a parlé de stratégie parce que c'est pas talent seulement d'accord et parce que si c'était talent seulement et gon paquet nèg qui tape just untouchable dans la plat et qui ta Haiti ou bien qui plot bord l'eau soit pas talent seulement on entend bien du non
son package que nous voyons. On y a un autre bagage tout qu'on s'est touché là que vraiment pas d'accord. C'est qui ça lui? Comme si rappeur n'y a pas petit Jésus, n'y a pas ange. Rappeur, c'est de jeunes femmes, de jeunes garçons qui sortent dans le quartier défavorisé, qui pas de accès avec l'école, qui pas de accès avec espace de socialisation, qui yon même tout levé dans précarité, yon levé dans grand goût, yon levé avec manque, yon levé dans chez besoin. Mm-hmm. Donc ça veut dire qui ça? Ça veut dire l'on moun comme ça, musique rive sauver ville, l'on moun comme ça, musique rive bal directive, ne vit pas et bien pas attendre nous que tout d'un coup il va changer. Et ceci c'est pas seulement en Haïti ça arrive, c'est partout dans le monde. Rappeur yo yon son catégorie sociale bien déterminée, pas gen aucun côté sous la terre que rappeur yo sorti dans élite économique ou bien dans élite intellectuelle. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire c'est des marginaux, yo même qui choisit faire musique rap. C'est ça fait wap le rappeur souvent, yo très dirty. Et gon pa diosité di non musique que moi mais en pile men. Diosité di non musique pas mande pour pas parler de violence, les m'a vivre non monde violent. En gros monsieur dit que li normal pour la parler de violence parce que la vive non monde violent. Donc pas mande Diozi pour parler de l'amour si dans France li li pas t'a vivre l'amour. Diozi on est qui fait un bon parti dans ville à vivre dans la rue, on est qui t'a mené vie cocorat si n'est capable dire comme ça. L'autre isolant on est qui t'a mené un bon parti dans ville comme ça tout. Son ça qui arrivé avec le temps, nèg yo vi non bagan dans société a changé. Mais parti ça n'existence yo pas qu'à sortir ou pas qu'à mande jeune jodi a pour Jay-Z vienne parler même j'ai avec Barack Obama pour parce que Jay-Z c'est ton dealer de coke qu'il était. So, c'est pas parce que Jay-Z right now le billionaire que Jay-Z retire parti ça n'existence lui. Son façon pour me dire que rappeur yo tout côté en France, aux États-Unis, Belgique, Jamaïque, quel que soit côté qui gagne musique rap, rappeur c'est deux monde qui sorti dans classe ça, qui sorti dans ghetto yo, qui sorti rappeur regardez qui est-ce qui fait rap en Haïti yo même. C'est des jeunes garçons qui dans BPCA, qui levé bon cimetière, qui levé dans rue Nicolas, qui levé marché Salomon, c'est nèg qui levé dans Beléa, c'est nèg qui levé village de Dieu, c'est nèg qui levé Matissan, c'est nèg qui levé dans ghetto Jalousie, c'est nèg ça yo qui fait musique rap. C'est femme ça yo qui fait musique rap. Donc ça veut dire que yo bon comportement qui propre à yo même femme ou n'a pas gardé comme c'est like OK c'est rappeur li doué la fête pour n'al doué bon janvier. Non rappeur avant tout son monde et rappeur a pas oublié j'aime t'a dit dans ce lyrisme c'est l'expression du moi quelque part dans sa rappeur aspect là il y a toujours son ego. Toujours bien égo rappeur dans tout ça la fait et ça fait les nègres pas vivre l'amour la difficile pour venir parler de l'amour so li plus facile pour par exemple qui exemple d'abord là par exemple sous prend et rap US là et par exemple l'on prend on rappeur tant que 6ix9ine par exemple qui a fait parler de lui mais 6ix9ine a fait gangsta music dès le début. Monsieur a vanté que le nom groupe gang, que c'est blood, que c'est this, que le nom et que Treyway tient ensemble avec que groupe gang lié bagaille. Eh bien, les pour y arriver pour y avoir 6ix9ine sont fake, y avoir 6ix9ine sont fake. Mm-hmm. Que le pas de jump gangster vrai. Monsieur son snitch tout, monsieur son snitch tout. Non, négra son snitch. Même Abdou monsieur fake tout parce que négra pas de jump on will OG. Son nèg qui t'a de l'argent qui a payé OG. Pour protection. Mm-hmm. So façon pour me dire que les par exemple où est Bob Caillou bien comportement ça, les par exemple où est Colonel Freeze bien comportement ça, les par exemple où est Phantom bien comportement ça, faut dire tout d'abord que si vraiment nous t'ai business musique en Haïti, c'est pas next out t'as parlé, c'est parce que nous avons boutique musique. Mm-hmm. C'est parce que nous avons tout vous c'est d'eau. Et ceci, c'est pas seulement dans rap, c'est toute catégorie confondue. Son équipe n'est qu'il y a 20 bonbons à zon, et yon a regardé qui est-ce qu'il y a 20 bonbons, plus bonbons à zon que l'autre. Dans le cas contraire, c'est pas n'est qu'il y a parlé, n'est qu'il y a gagné. Ça veut dire, n'est-ce pas, c'est qu'il y a une équipe, on sort de voilà, attaché de presse. Une équipe communicationnelle, justement même,
qui pour faire ça. Les pourra peut à parler, il y a un deal qui ça pour dire. Il dit mon chou pour parler mais qui soit dit dans l'interview. Est-ce qu'on comprend? Rappeur pas qu'aller vous bon matin vient parler comme ça. Non. Et genèg tout qui habile dans l'interview, genèg qui pas habile dans l'interview. Bon, c'est normal. Genèg soit font interview avec là et problème. Grâce à elle va comme ça. Grâce à elle va comme ça. Parce que là elle dit n'importe quoi. Genèg tout s'il a fait interview avant, la prend comment pour gérer interview avant. Donc même si m'a font interview à colonel, ça me veut colonel dit à l'a dit lui parce que me connait comment pour manipuler ça. Est-ce qu'on a m'a font interview à photo, m'a font interview avec conseiller de nègre. M'a connait comment pour manipuler yo parce que son stratégie, son technique que me connaît que nègre lui-même il doit pas nécessairement connaître saisi. Donc il y a tout ça autour. Ah ben man, eh. Yo, au prend choix non mais moi tout monde a droit bien parler ça qui passe là. Ah, merci à tout le monde. En tout cas, man, en tout cas, Aben, bien content, man, ou t'es dans Shoah. Nous sommes parlé de. Ouais, soit là, m'a fini à 9h30 parce que m'a joué un rap pour jouer là. Parce que m'a fini de toute parole là et puis m'a rap m'a joué. Vous comprenez? De toute façon, Aben, m'a voulu qu'on regarde. Chose ça, c'est pour lui. Ou qu'a fait sauver la donne. Et je veux qu'on ait que moi tando en pile m'apprendre de ou en pile et par rapport avec conseil de bagaille que ou pas appliquer pa, comme si me te gade gens ou même moi entrer dans rap là il est vrai que moi me te dans rap là même pas comme ça parce que me te toujours à pas me te toujours prend ti ligne pam et mais et comme si me te gade m'apprendre de ou par rapport un paquet de bagaille gade de bagaille m'a dit c'est où qu'a parler mais dire c'est moins ou comment ça veut dire parce que mouvement ou connait et me veut qu'on ait que monde qui fait connecter là et zami ça les à Benz la travaille dans Sky FM, monsieur son rappeur, monsieur son animateur et monsieur son avocat. Ça veut dire c'est pas un quelconque monde qui là, c'est des monde qui perd du temps yo. Nous gien longtemps nous pas rappeur, papi. En passant ou te connait de rap, même nous dit rappeur. Oh, bon moi je musique, moi je ouais mes amis fini avant là, moi je musique, moi j'ai une musique à musique là que vous chantez sous lui. Moi je là. Oh, elle aime des petits jeunes mon cher. En tout cas, Abens et m'a dit dernier mot men et gros paquet gain des amis qui vraiment apprécio et qui toujours parler bien de vous et sous ta gain quelques petits bagages pour dire avant quitter Shoa et c'est qui ça le tapier. Merci en pile papi et vraiment remercie vous même pendant que vous dit vous apprendre de moi m'a prendre un paquet bagages de vous et vous pas ta faux idée et ceci. Et me rappeler m'a tendo dans planète créole une dans bagaille que m'étais vraiment aimé la caou c'est punch yo l'aime parler de punch c'est soit l'a peut-être venu dans émission yo ou du moins dans sport yo et okay. Puis faut dire tout monde ça que dans époque pour te bedre dedans non pa, non pas gagne monde bien compte pas regarder pas époque ça regarder pas gagne monde depuis bon passé Jo a nous tendez Jo pas gagne monde depuis bon passé mais moi ndé et puis faut dire Jo en tout que tant qu'il y aurait même. A ben so, de... Merci en pile, man. Merci avec tout le monde qui te prête un bon arrière de temps de vous sur petit bat de ça. Ce sont plaisir et nous sommes toujours capables open pour nous parler de hip hop, pour nous parler de rap, pour nous parler de musique en général. So, aujourd'hui, on est même pour rap, mais c'est vraiment pour rien pour l'autre bagaille, man. Parce que nous avons bien aimé parler de compas, bien aimé parler de Raboda, bien aimé parler de Zouk. Assez nous même teaser non, musique. Non, pas vraiment tiner ça, pas oublier que à soi nous pas parler de trap et comprendre go paquet bail nous ka parler et me penser que chose ça là on connaît là pour comprendre et depuis me venir à Haïti tout m'a faut connait que me dans ville là même vous comprendre son bien numéro on a parlé même bon en pile respect me content que vous êtes là me content que vous êtes avec moi ça fait plaisir en même. Salut man. Respect pour vous et puis big up tout le monde qui est en bas live là qui t'a suivi. En pile respect bon thank you man. Yeah, thank you too.